Ah, le plus chaud ça va être quand ils vont être deux. Quand ils vont être plusieurs. Vaut mieux tous les attraper d'un coup. Parce qu'on peut les attraper deux par deux, trois par trois. C'est plus compliqué, je crois, mais c'est faisable quoi. Tu vois, genre là ils sont deux. Voilà. Là on a chopé deux. Maintenant il faut essayer de les capturer. Voilà. Ça c'est nickel. Là on a réussi. Faut que je monte la vue. On peut prendre des photos et tout. Au pire, ouais, au pire, je vais dire, au pire, je laisse la place, mais hors de question. Bon, un cure, on s'en bat les steaks. Allez, on continue. Et viens dans mon aspi, toi. Oh putain. Alors, le vert il laisse des pots de bananes. Allez, non. Et en fait, il y a des chances qu'il te dirige dans les pots de bananes parce qu'en général, un peu de mal à les gérer. Bon, là, c'est le début, c'est le tuto. Donc, c'est forcément simple. Voilà, j'ai attrapé une peau de banane. Enfin, j'ai aspiré la peau de banane. Putain, il a encore un goal. Viens voir papa. Oh, ça c'est relou. Plus tu perds de la vie et des pièces, quoi. Ça va, quoi. Allez, toi, viens. Viens dans mon aspirateur, il y a plein de gens sympas avec moi. Voilà. Et à mon avis, il y a encore un là. Voilà. Ça c'est fait. Ah putain, je peux pouvoir. Je sais pas si je vais pouvoir la récupérer. Si c'est bon. Ah, ça ouvre la porte de devant, ok. Juste aller à gauche. C'est ça? Oui, à gauche. Mario! Ah bah, il y en a un autre là. Mario, es-tu? Ah, Luigi! Oh, je suis content que tu m'aies trouvé. Je suis rassuré. S'il te plaît, il faut sauver Mario. J'ai cherché partout. Mais je ne l'ai pas trouvé. Yes! Ouais, je veux bien que tu sauvegardes en fait. Voilà, merci, au revoir. Bon, tu peux rester là, il n'y a pas de soucis. Donc, ça, c'est la phase tuto. Donc, elle est super simple. Après, ça va se gâter un petit peu. Mais là, on va se faire notre premier boss là, dans pas longtemps. Ça va être sympa aussi. Franchement, le jeu il est super bien fait. Après, la version 3DS, elle est bien aussi, sauf que. Bah, c'est vrai qu'ils ont essayé de mettre des nouveautés, mais le jeu était déjà excellent à la base, quoi. Ah, je reçois un appel. Attends, Luigi! C'est moi, catastrophe! Ouais, je peux tous leur faire la même voix. Je détecte une forte activité surnaturelle devant. Ce sont sûrement les fantômes qui se sont échappés de la galerie. Ils sont très différents des fantômes que tu as rencontrés jusqu'à présent. Cela n'expose pas leur cœur aussi facilement. Quand tu en vois un, utilise le bouton X pour trouver un indice dans son cœur. Tu pourras découvrir comment les surprendre. Bon, eh bien, je croise les doigts pour toi, Luigi. Toi, lui, il est tranquille chez dans sa baraque, quoi. Alors là, faut faire gaffe parce qu'il y a des portes qui sont fausses. Il y a des fausses portes. Ah bah, je crois, ouais, c'est là où il n'y a pas le tapis. Celle où il n'y a pas le tapis sous la porte, c'est des fausses portes. Et en fait, ça te fait perdre des pièces et de la vie. Donc là, ça va, c'est facile à reconnaître. Je crois qu'on peut les aspirer, non? Non, pas du tout. C'est ça le prix. Merde, c'est une fausse porte! Voilà. Voilà ce que ça fait. Ça te fait perdre 15 points de vie. C'est aplati comme ma bite. Et voilà. On va aller là.
C'est fermé. Elle est là. C'est fermé. Elle est là. C'est fermé, ok. Là, c'est ouvert. Ah, là, ça devient intéressant. Alors là... Ah, vous voyez. Quand on éteint... Oh putain, l'enculé. Quand on éteint la lumière, on voit un fantôme. Alors, faut que je trouve la touche. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Voilà, c'est là. Voilà. On clique sur le cœur. Enfin, on prend une photo du cœur. Et ça nous donne un indice. Oh, oh, oh. Vas-y, essaye de me trouver. Je te vois et toi, tu ne me vois pas. Oh, oh, oh. Ça, c'est censé être un indice. Tant qu'il faut faire un truc comme ça. Je sais plus. Je sais plus ce qu'il faut faire. Ah, logiquement, si moi je le vois pas. Ah. Par contre, je me souviens plus de cette partie. Il y a un livre des énigmes. Voulez-vous la lire? Non, ta gueule. Merci. J'ai aucune idée de comment on pourrait faire en fait. Money, 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 money. Viens, viens là, viens. Voilà. Comment je pourrais faire? Parce que moi je veux bien. Semble ordinaire, un peu trop ordinaire. Ouais, ouais, c'est pas ça que je voulais voir en fait. Vas-y, essaie de me trouver. Je te vois et tu ne me vois pas. Non, pas du tout. Pas quitter l'émulateur. Mais je te vois, hein. Comment je pourrais faire? Ah, peut-être comme ça. Non, ça dégage la poussière, ça. Oh! Si je m'y attendais à ça... Oh! Un rubis! Putain, trop bien! Vite, vite, avant que tout disparaisse. Voilà. Bon, du coup, je sais pas si c'est ça que je devais faire, mais bon. Comment je pourrais faire, hein? Peut-être que... Bah, peut-être éteindre le feu, hein. Non? C'est vrai que... Ah, c'est maintenant! Voilà. Ah, il fait tomber des perles et tout. Vas-y, va choper la perle, voilà. Noir là, faut l'éviter. Hein. Là, je lâche. Je vais récupérer mes perles. Faut juste que j'attende. Ce que j'attende. Qui baille. Maintenant. Voilà. Et là, il est fait. Il est fait comme un rat. Voilà. Du coup, petit coffre avec à mon avis une clé, comme d'habitude, pour pouvoir avancer. Hop là. Récupère les perles. Les perles, je sais plus à quoi ça sert. Ça va être utile, je pense, pour la fin du jeu. Voilà. Voilà. Alors maintenant. Ok, ça ouvre la porte de là-bas. Ok, ça marche, écoute. Hein. Ta-na-na.
Alors, qu'est-ce qu'on va trouver de beau? Ah bah un autre fantôme, un autre gros fantôme. Mes cheveux ne sont-ils pas sublimes? Je passe beaucoup de temps à m'en occuper. On s'ennuie ferme dans un tableau. Maintenant, je reste devant le miroir. Ça semble effrayer les gens, alors tout est bien. Merde. Je l'ai refait. Petite, s'il te plaît. Voilà. Et là, heureusement que je me souviens, il faut tirer le rideau pour que le vent arrive et que ça la dérange. Et l'aspirer. Mon dieu, où est l'inspiration? Et du coup, il faut la capturer. Bon là, elle m'a un peu niqué. Faut savoir les lâcher au bon moment en fait, pour pas qu'il y ait de soucis. Ah, du coup, elle va refermer le rideau. Vilaine fille. Du coup, on va le rouvrir, hein, parce qu'on est des salauds. Voilà. Là, on la lâche. Là, je regarde un peu trop haut. Comment une baisser? J'ai jamais compris. Là, je regarde un peu trop vers le ciel. Voilà. Ça, c'est fait. On va récupérer les petites perles. Voilà. Là, on voit le petit toad derrière, tu sais. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Allez-le ! Le mec qui y croit. Ah, mais en fait, je voulais... On va la taper dedans. Là, on va enlever le drap du lit. Merde. J'ai pas tiré assez... Ah, voilà. Bon, du coup, y a rien dans le lit. Ah, là, y a de la vie. Voilà. Alors... Money, money, money. Dans la chevalière, est-ce qu'il y avait quelque chose dans la chevalière? Non, je crois pas. Et enfin, la clé. Alors, et ça ouvre la chambre de bébé, je pense. Ouais, la chambre du bébé. Salut, LB! LB vagin, comment tu vas? Quoi? Comment tu vas? Ah ouais, voilà. Là, c'est le boss, là. Derrière cette mystérieuse porte. Du coup, on va y aller. Parce que, bah, voilà, quoi. On a peur, mais on est de bonhommes. Ah, du coup, on est dans la chambre de bébé. Et là, bon, là, c'est un gros indice, quand même. Hein. Les pièces autour du cheval de, en bois, ça veut dire beaucoup de choses. Et là, il y a le bébé qui dort. Alors, attends, attends. Et donc, bah, les bébés, merde. Les bébés, ils disent dada pour le cheval, en général. Pour faire du cheval. Du coup, on va titiller le cheval. Et là, c'est la fin du monde. Il va nous défoncer, le bébé. Hé, hey, tu veux jouer? Tu veux jouer avec moi? Non, je veux pas jouer avec toi, hein. Ah, là, faut prendre le ballon. Oh là là, ça va être trop lourd. Hé, hey, bébé. Boing. Ah, ça marche pas! Ah, si, c'est bon. Aïe, tu m'as fait mal. Un jeu rétro. C'est vrai que je voulais juste jouer avec toi. J'aime pas les adultes. T'as comment tu te sens vieux? Je me sens vieux d'un coup. C'est vrai qu'au final, c'est devenu un jeu rétro. Hein. Pourquoi est-ce que tu serais plus grand que moi? J'en ai vraiment marre. Petit, maintenant deviens plus petit. Petit, tout petit, minuscule, microscopique. Ouh. Ah, d'accord. Ah bon? Tombe bien, le nom de famille de Zod, c'est Dada. Sérieux? Un nom de famille avec... Le mec, il a un nom de famille Dada, quoi. On va pas critiquer alors qu'il y en a qui s'appelle Ismaël, hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Il m'a fait un clin d'œil ou c'est moi, là? Il me drague, le bébé. C'est un bébé... C'est un pédophile inversé, quoi. Ah!